Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le gouvernement béninois compte un nouveau ministre. Il s'agit de Olusegun Ajayi-Bakare, nommé ce mercredi en conseil des ministres au poste de ministre conseiller aux investissements, spécialiste des transitions. Le nouveau ministre a fait son plus grand parcours dans les finances en passant par le domaine énergétique. Il est très connu dans le domaine des investissements. D'une information à une autre, les panafricanistes se sont réunis ce mardi 25 avril à l'Institut de développement et d'échanges endogènes de Ouidah pour parler du développement du continent africain. C'est dans le cadre de la 27e édition du colloque du panafricanisme au Bénin qui est une initiative du Comité mondial du panafricanisme. Pendant 3 jours, les réflexions vont tourner autour du thème « La lutte panafricaniste, regard croisé des grands hommes et perspectives pour des actions urgentes. Hors de nos frontières à présent, l'ONU ne quittera pas le Soudan malgré les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. C'est ce qu'a fait savoir lors d'une réunion le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a souligné que les Nations Unies restent engagées envers le peuple soudanais et soutiennent ses aspirations à un avenir pacifique et sûr. En sport, dans ce flash info, le dépôt des candidatures pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2024 est officiellement lancé. C'est à travers un communiqué que la fêtière du football africain l'a fait savoir hier. Après réception des dossiers, les candidatures seront étudiées par le COMES de la CAF. La date du 6 mai est la date butoir pour toute candidature. Depuis 2019, l'ONG Chaque Enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. C'est tout pour ce flash de ce soir. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité pour mieux faire qu'hier. Au revoir.